les plus beaux cadeaux que l'on pourrait s'offrir pour Noël? J'ai regardé un petit peu autour de moi, puis je vais commencer par trois cadeaux qu'on pourrait s'offrir. Et le premier cadeau, ça serait, eh bien, mesdames et messieurs, un cadran. Pourquoi? Pour le temps. Ceux qui m'ont vu en conférence, vous savez que je commence souvent avec cette fameuse maxime antillaise, les Antillais qui ont une magnifique façon de vivre et que les autres se disent souvent le matin, lentement, l'après-midi, tranquillement, et le soir, on se repose. C'est vrai, je vous entends rire, mais c'est vrai, on a tellement l'impression qu'il faut toujours travailler, bûcher, et on oublie de se prendre du temps pour soi. Donc, dans ce premier temps-là, donc ta première résolution en 2012, et même à partir de 40 minutes, ou même de maintenant, apprendre à vous prendre du temps pour vous-même. Et on va commencer, Pierre, avec la chanson « Faut prendre le temps », la première. Écoutez bien les paroles de ça, puis essayez de les mettre dans votre vie. Alors, c'est parti, tapageur, pars-nous, il faut prendre le temps. Merveilleux. Hey, ça fonctionne bien. Alors, pour tous ceux qui s'aiment, faut prendre le temps avant qu'il nous rattrape et qu'on se mette à croire un jour on en manquera. Dans sa tendre jeunesse, l'enfant court après sa vie. Il court sans cesse, il se presse. Pour lui, le temps est infini. Puis arrive l'adolescence. Le temps des mille défis, il s'éparpille dans tous les sens, jamais n'aura de fin cette vie. Allez tout le monde, vous chantez avec moi, faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Allez, vous chantez fort, avant qu'il nous rattrape. Avant qu'il nous rattrape, et qu'on se mette à croire, et qu'on se mette à croire qu'un jour on en manquera. Que jour on en manquera. Quand arrive la vingtaine, au printemps de nos amours, nos joies copulent avec nos peines, nos nuits avec nos jours, mais plus on croit devenir mature, c'est drôle, mais le temps se fait court, mais malgré les courbatures, on court toujours. Allez les cœurs avec moi. Faut prendre le temps avant qu'il nous rattrape et qu'on se mette à croire. Le jour, on en manquera. Au fond, ce que la vie cherche, c'est à nous à s'agir. Car cette fameuse sagesse, ben, de l'intérieur doit s'épanouir. Souvent, ce ne sera qu'à la vieillesse que la vie l'emportera, tirant parti de nos faiblesses pour ralentir nos pas. Oh, ce fameux temps! On en a tellement quand on est jeune, puis plus ça va, plus on en a besoin, et on arrive plus vieux, et on dirait qu'il nous échappe. Mais merci à vous tous cet après-midi de venir prendre le temps pour vous, pour vous-même, prendre du temps pour vous, puis ça devrait être de même toute l'année. OK? Faut prendre le temps avant qu'il nous rattrape et qu'on
se mettent à croire. Un jour, on en manquera. Si on pouvait en prendre avant qu'il ne soit trop tard, ben, que le temps n'est pas à prendre, et même qu'on dit qu'il n'existe même pas. Alors qu'est-ce qu'on fait en 2012? Ben, ralentir sa cadence et surtout devenir des créateurs de sa vie. Faire naître en nous la patience. Cesser de compter ses heures. Faut prendre le temps avant qu'il nous rattrape et qu'on se mette à croire. On en manque. Allez, une dernière fois pour faire vibrer la planète, tout le monde. Faut prendre le temps, hey, avant qu'il nous rattrape et qu'on se mette à croire. On en manquera. Mais non, on en manquera pas, vous allez voir. Un jour, on en manquera.